chez les Sarkozy Bruni, et Terim avec Paradis. Nicolas Sarkozy, son épouse Carla Bruni et leur fille Julia ont mis les voiles en Grèce, passant leurs vacances sur un bateau dans les eaux turquoises au large des côtes helléniques. Enchantée par ce séjour ressourçant, l'ex-première dame a partagé plusieurs clichés et vidéos sous forme de montage sur son compte Instagram ce mercredi 9 août. Ses abonnés ont ainsi pu découvrir le programme de cette escapade en famille au son du titre The Trip, de Catherine Orc, lecture, écriture de chansons, sieste, découverte des falaises rocheuses grecques, petit déjeuner au soleil. La formule idéale. Fidèle à son humour décapant, Carla Bruni a commenté en légende de ses clichés, « Les vacances c'est le pied », avec une flopée d'émojis résumant ce voyage. L'ancien mannequin a pris cette expression au pied de la lettre en faisant apparaître ses pieds sur la plupart des photos. Outre les petons de la chanteuse de 55 ans, les internautes ont pu apercevoir la petite Julia, 11 ans, de dos, en train d'admirer la mère, mais aussi Nicolas Sarkozy attablé devant son smartphone et plus étonnamment. Didier Barbeli vient en pleine sieste sur le pont. Il faut dire que le chanteur de 69 ans est un ami proche de l'ancien président de la République. Supérieur à supérieur H1, Christophe Willem, Nathalie Marquet. Les vacances des stars Aurélien Enthoven et Pierre Sarkozy font partie du voyage sur une autre publication de Carla Bruni, postée ce lundi 7 août, on peut voir que son fils Aurélien Enthoven, né le 21 juillet 2001 de sa précédente relation avec le philosophe Raphaël Enthoven, fait également partie du voyage, tout comme Pierre Sarkozy, fils aîné de l'ancien chef de l'État issu de sa première union avec Marie-Dominique Clioli. Comme bon nombre d'internautes, l'interprète de Quelqu'un m'a dit a succombé à la tendance Barbie et s'est amusé, grâce à un filtre, à transformer les hommes de son entourage durant ses vacances en répliques de Ken, avant de demander à ses abonnés lequel avait leur préférence. Et d'après les commentaires, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte le titre du Ken le plus réussi. Crédit photo, Rachid Bellac.